Le commis d'une station-service de la Nouvelle-Orléans a donné une sacrée leçon à un homme armé qui a tenté de cambrioler la station-service, mettant ainsi fin à son aventure criminelle qui durait depuis 12 heures. Le natif du Tennessee Jimmy Rogers a cambriolé plusieurs commerces de la ville entre samedi soir et dimanche matin. Armé d'un pistolet, Rogers a tenté de cambrioler trois piétons, dont un qui a réussi à s'enfuir. Ces deux cambriolages suivants ont été réussis, mais le criminel n'a réussi à amasser qu'un maigre $40 et deux mobiles. Espérant frapper le gros lot, il a décidé de faire un vol à main armée dans une station-service Fuel Zone de la Nouvelle-Orléans, tôt dimanche matin. Malheureusement pour lui, il s'en est pris à la mauvaise personne. Les caméras de surveillance montrent Roger se faire donner une correction par Mustapha, le commis de la station-service. Rogers est reparti avec des ecchymoses et il est maintenant derrière les barreaux. Pour des commentaires drôles et nos vidéos inédites, visitez fr.homonews.net.